Païta, à Gadji, au collège Louise Michel. Bah, on est sur Païta au collège Louise Michel. On est au collège Louise Michel à Païta. On est dans le collège Louise Michel et c'est la journée citoyenne. C'est la journée de la citoyenneté. C'est une journée citoyenne. C'est la journée citoyenne. Du coup, bah, on reprend les mœurs, on fait du jardinage. C'est atelier graffiti sur panneau, c'est là-bas. La peinture. De la peinture. Moi, je peins les murs. Il y a beaucoup d'activités. Il y a de la peinture sur mur. Il y a du graffiti qui est vers le phare. Et il y a du jardinage vers là-bas. On est en train de faire dessiner pour les cultures. Chacune des cultures, c'est un poteau. Et là, c'est Kanak qui calde. Je représente la culture Wallis. Kanak. Kanakiyo. C'est ça, là, madame. Kanak. Ben, ça aide au collège. Je voulais participer un peu, faire de la peinture et sortir un peu de la maison, mais en revenant sur dans le collège. Ça va rendre notre collège un peu plus beau et puis aussi, comme ça sera plus agréable de venir. Oui, c'est sympa, il y a beaucoup de monde. Il y a nos amis et on fait des ateliers nets. Bah parce que c'est bien, parce que tu viens dans le collège, mais c'est pas pour travailler, c'est pour faire autre chose. Je veux rendre mon collège plus beau. Alors c'est la concrétisation de la journée citoyenne sur laquelle on a réfléchi pendant plusieurs mois, déjà l'année dernière, et qu'on a commencé au fur et à mesure de l'année. Et donc là on arrive à plusieurs ateliers, dont la peinture de l'intérieur du collège, de la cour intérieure du collège, de certaines salles. On a des motifs océaniens qui vont être réalisés sur les poteaux du Phare. On va avoir des fresques avec l'aide du collectif SIAPO. On les remercie, comme la mairie qui finance tout le matériel. Hein, vraiment un grand merci à eux. Le dernier atelier, c'est le jardin pédagogique avec un potager et des plantes d'ornement qui vont être installées dans cette cour qui est trop bétonnée pour de la vie de tous, des parents, des élèves et même des personnels. Donc voilà, c'est aujourd'hui qu'on commence les actions qui ont été initiées depuis le début de l'année et on a bien l'intention de les continuer. La journée citoyenne, c'est une journée de cohésion sociale. Donc l'idée, c'est sur un territoire, ici un quartier avec le collège au centre, de permettre à l'ensemble des partenaires, donc les enseignants, l'équipe éducative, les enfants, les parents, la mairie, mais aussi un syndic de copropriété, un bailleur social voisin, de mutualiser les moyens pour se regrouper tous ensemble autour d'actions civiques. Aujourd'hui, on a beaucoup concentré sur le collège. Dans les prochaines éditions, le but, c'est de le faire dans tout le quartier, de sortir, de faire entrer les gens de l'extérieur dans le collège, de faire sortir les gamins pour travailler dans le quartier, et puis, à terme, d'essaimer dans d'autres quartiers de la ville de Païta. Cette journée, elle n'aurait pas été possible sans la bonne volonté de tout le monde. C'est-à-dire que, vous savez, sur un territoire, vous avez beaucoup de partenaires qui peuvent passer leur temps à essayer de trouver la responsabilité chez l'autre quand ça ne va pas. Sur Païta, depuis des années, c'est plutôt l'inverse. Tout n'est pas toujours rose, mais on a des élus et une mairie qui suivent dès qu'il y a des projets qui partent. On a des partenaires qui sont volontaires. On a des privés comme le quartier d'à côté qui est géré par une agence privée, l'agence générale. On a un quartier FSH ici. On a deux entreprises privées, dont j'ai oublié le nom, qui ont donné des matériaux. Voilà, c'est-à-dire une entreprise, une collectivité, un collège, tout le monde se sent citoyen et puis seul on est démunis aujourd'hui. Donc c'est en mutualisant qu'on y arrivera et c'est le bon exemple aujourd'hui.